Bonsoir à tous, 17h en direct dans la montagne. Chute de neige en direct au col des Ânes, 1720 mètres d'altitude dans cette fin de journée. Et on le voit bien ici, l'averse vient d'arriver. Il y a encore un peu de neige sur le toit ici. C'est les Grands Bornands, c'est la Haute-Savoie, c'est entre chien et loup. Et l'averse de neige vient d'arriver. On va vivre en direct, alors ça ne sera pas forcément la grosse chute de neige du siècle, mais c'est déjà un refroidissement qui gagne l'ensemble des Alpes ce soir. Et on voit bien ici l'averse qui donne quelques flocons. C'est un peu du grésil flocon, mais c'est pas chaud en altitude. Le 0 degré descend progressivement. Nous sommes à 1720 mètres. Le 0 degré est à peu près à 1800-1900. On va voir un peu le paysage qu'on voit ici à ce magnifique col des Ânes en direct en cette fin de journée avec vous. Avec la montagne qui se charge de plus en plus. L'alpage qui est roussi ou blanchi localement. Et on a, si on pivote de ce côté, vous le voyez, le tas de bois qui préfigure évidemment d'un hiver qui sera froid. Et on le sait bien, alors on ne sait pas quel sera l'hiver cette année évidemment. Mais pour l'instant, au col des Ânes, après le redoux, on a un refroidissement à l'heure actuelle. Avec, et on le voit ici sur les images, on le voit juste là-bas derrière, la neige qui tombe juste un peu plus haut, mais déjà également à ce même niveau-là, avec des flocons qui tombent ici dans l'air refroidi. Alors ça va peut-être pas suffisant pour blanchir, mais si on regarde bien par là-bas, on le voit, c'est tout bouché. Et il y a quelques minutes encore, il y avait un petit rayon de soleil. Et nous sommes montés ici en fin de journée au mois de novembre, où la montagne est vide, vide de ses alpagistes, vide de ses vaches, mais tellement belle de cette nature bien remplie d'air pur, de beaux paysages. Et de neige qui reste encore au sol ici, c'est une neige qui est tombée en début de semaine dernière, qui est restée finalement. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Nous sommes pour vous dehors dans le froid, avec l'averse qui arrive maintenant ici où nous sommes, avec des flocons qui tombent. Alors voilà, ça donne pas forcément la grosse chute de neige, mais c'est tellement beau. On en baisse la voix. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous êtes nombreux à nous regarder. C'est super sympa. Demain, certains, Martine part du côté d'Alvar. Ça flotte à sa longe. Et ben, quand ça flotte en bas, ça neige en haut. Eh bien écoutez, c'est un bonheur que de vivre ensemble la chute de neige, l'averse du soir. Il y en aura encore d'autres dans la nuit. Oh, il n'y aura pas de quoi faire du ski demain matin, rassurez-vous. Ou tant pis pour ceux qui veulent faire du ski, mais ça viendra plus tard, on a encore le temps. Nous sommes que le 13 novembre. Et cette neige qui tombe sur les toits des chalets ici, où vous avez, vous le rappelle, à la fois de beaux restaurants, hein, la clé des Ânes ou encore la cheminée, puis aussi des bâtiments d'alpage. Regardez, ils sont bien sûr fermés, on va le montrer ici. Et voilà, la neige qui tombe en cette fin de journée, c'est un peu la surprise, il a fait assez doux à un moment donné. Et puis ensuite, eh bien, ça s'est rafraîchi. Et si on regarde bien ici, et on va vous la montrer, si vous regardez bien, sur cette planche de bois de Tavaillon qui recouvre ici un avant-toit, ça commence à légèrement tenir. Nous sommes en direct, c'est 17h, c'est la montagne. Voilà, merci de vos messages nombreux qui défilent, je les vois. Coucou d'Albertville, Marie-Claude, on vous salue. La pluie arrive en Isère à 400 mètres, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Ça va faire un peu plus de pluie, alors pas de la grosse pluie, des averses dans le nord-est de la France, il faisait encore 20 degrés. Il y a quelques instants du côté du Var, 18 degrés dans le sud-ouest, mais seulement 5 à 6 sur le sommet des Vosges. Dites-nous quel temps il fait chez vous. Chez nous, il neige, nous sommes, on le dit bien, avec la chaîne des Aravis derrière qui se perd dans les nuages et la neige. Et il est 17h entre chien et loup. Quand on dit chien et loup, on n'a pas vu de chien. On n'a pas vu de loup non plus pour l'instant. Regardez comme c'est beau ici. Le vent se lève, la température se rafraîchit. Et on voit ici légèrement la neige qui se dépose sur les Tavaillons. Alors on ne va pas non plus y rester la nuit, mais demain matin, il est possible hein, qu'à 1700 mètres où nous sommes, il y ait quelques centimètres de neige. Coucou du Québec, nous dit Nicole. Alors on vous salue, mes Québécois. Alors on attend vos images de neige qui vont arriver par bientôt, par chez vous. Après l'été indien qui était magnifique, un coup de gyromanie. Dans le 90, le territoire de Belfort, nous dit Laurent, c'est super sympa, un grand bonjour de la Loire, nous dit Nicole, n'hésitez pas à nous dire de vous nous regarder, et quel temps il fait chez vous, c'est le point météo, j'ai titré comme ça en montagne, mais c'est le point météo en France, bonjour de Combloux, nous dit-on, ah Combloux, c'est pas très loin d'ici, j'étais pas derrière, pour l'instant la neige tombe, ça neigeote, on va dire, dans l'averse ici, et ça s'est refroidi, hein. Alors là ce qu'on voit c'est de la vieille neige, c'est pas celle qui vient de tomber évidemment, elle est tombée il y a quelques jours, on a eu 25 cm de neige ici, et c'est... Elle a fondu en partie, voici les toits de Tavaillon. Et on va pivoter encore à nouveau, tiens, vers l'alpage là-bas. La neige qui nous vient du sud-ouest là-bas, je vous garantis que c'est pas chaud pour l'instant. Le col des Ânes, bien connu. Un col bien sauvage, un peu mythique dans la place du village. On l'aime bien parce qu'on est tout seul ce soir. Et qu'on aime bien avoir la montagne un peu pour nous, mais on aime la partager avec vous. Bonjour du coup, bassin d'Arcachon, bonjour de Cassan, nous dit-on. Les averses dans les Yvelines, vous voyez, averses depuis certainement en France, dans le nord-est, et vu que c'est un peu plus frais. Et puis après, ben écoutez, la semaine prochaine, ça va être assez bouché, mais ça va être. Il n'y aura pas de pluie la semaine prochaine. En France, il n'y aura pas beaucoup. Donc il n'y aura pas de neige non plus en montagne, il faudra attendre, vous voyez, ça-bas. Là-bas, c'est la neige qui tombe. Et en bas, vous avez la chapelle de la Duche, un peu plus bas. Vous avez tout simplement la station, enfin, la
avait du boucher. En Saône-et-Loire. Bonjour des Hautes-Alpes, nous dit Patrick, on te retourne le grand bonjour. C'est pas chaud, c'est frais. Et la nuit commence à tomber, on voit pas trop ici. Je vous garantis que quand vous avez du vent comme ça, à plein pot sur la figure, et c'est pas chaud. J'ai vu, tiens, neige à 1400 mètres, nous dit-on. C'est que j'ai vu ça là, oui, tiens. Albert qui nous dit un petit peu plus de la Suisse. 3 gouttes, température baisse ici à 1400 mètres. Il pleut à 1400 mètres, hein, évidemment. C'est pas bien loin, Albert, hein, Luisère, dans la Suisse, là-bas. Tu sais, c'est un grand coucou. Le totem du col des ânes, qui est un peu un symbole de ce col des ânes, où il n'y a pas d'arbres. Donc on imagine que ce tronc a été ramené du bas, puisqu'il n'a jamais pu pousser ici. Vous voyez comme il est beau, il est noueux, il est tortueux, et il est magnifique ici. On va se rapprocher un petit peu par là-bas, on va aller voir un peu ce qui se passe, puisqu'on découvre avec vous, on le connaît ce site évidemment, le col des ânes, qui renvoie pas aux ânes, aux animaux, mais qui renvoie, plus exactement, à un prénom. Le âne, voilà, regardez-moi ça. Et voilà, on se promène tranquillement. Il pleut à Cerdon, petite pluie, hein. C'est pas de la grosse pluie. Hein, ici, c'est maintenant des plocons un peu plus gros, si on regarde bien. Tiens, on va passer par là. On va voir ici la route qui arrive du bas, et on peut monter en voiture, évidemment, à ce fameux col des ânes. On voit ici le versant. Avec ces cheminées bien particulières, hein, c'est une des caractéristiques du col des ânes. Quand on arrive du bas, on voit ces cheminées qui se détachent dans le ciel. C'est un petit côté château hanté d'Écosse, hein, si vous regardez bien. Ouais, c'est sympa tout ça. Hein. Puis encore, c'est le pont pour certains d'entre vous, j'imagine, du 11 novembre qui continue. Hein. Alors, la montagne, eh bien, vous voyez, c'est un peu l'intersaison. On est bien d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de vacanciers actuellement, bon, mais ça va revenir assez vite. Et puis on rappelle bien qu'on prépare la saison de bon pied, bon oeil, ici j'ose dire, dans la montagne. Tout le monde s'active pour préparer ou les magasins de ski ou les restaurants, encore bien sûr les pistes de ski. 17 degrés à Nice. Ah ben, very nice, hein, dites donc, franchement, à Nice, il fait bon. Hein. On avait une vidéo tout à l'heure en direct de Nice, eh bien, on avait du soleil, on a vu, voyez, le vent froid sur le visage, ça enlève les rides, merci Albert, au moins comme ça, on va rajeunir dans la journée, Nathalie qui nous fait un petit bonjour de Saint-Légieux, le brouillard arrive, voyez, c'est ça la météo, ça change un peu tout le temps, hein. Il y a chaque région de France a sa météo, là pour l'instant c'est chute de neige, ça s'intensifie pour tout vous dire, un peu plus de 17h ici, et c'est pas chaud, pas chaud, pas chaud, et la montagne commence déjà eh bien, à disparaître, ou bien dans la brume et la neige, ou encore même dans la nuit qui va arriver, parce que c'est ça qu'il faut dire, la nuit va arriver d'ici peu. Voilà, beau chalet en direct, hein. On n'a pas bien chaud pour vous, mais on fait pour vous, on fait aussi pour nous, attention, hein, ça fait plaisir, nous dit-on, merci pour la vidéo, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi de vous montrer un peu les conditions météo en direct live dans cette page régulièrement. On parle bien sûr de la météo en montagne, mais on parle aussi de votre météo en France. Superbe paysage, nous dit Kamel. Waouh, 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 il a raison, c'est tellement sympa ici. Voyez. Puis surtout, il n'y a pas beaucoup de monde, évidemment, qu'à cette heure-ci, parce que là, après, il n'y aura personne la nuit, à part quelques animaux sauvages qui vont traîner dans la région. Et on sait effectivement que la nature appartient à ces animaux sauvages. Vous voyez, c'est vivifiant dans la montagne. Bonjour de Gaillac, nous dit Odile, dans le 81, c'est le Tarn. Et on va se promener encore un tout petit peu. Tiens, en avant là-bas, ça va réchauffer un petit peu, alors que la neige, alors on ne peut pas dire qu'elle tient, mais regardez bien ici, sur le bac à fleurs, on voit qu'elle commence un petit peu à... On va vous montrer, tiens, comment ça se passe une chute de neige ici. Alors, on a mis un peu d'engrais, si je m'abuse ici sur ce bac à fleurs. Et on voit qu'elle commence à tenir un peu, ça veut dire que la température dégringole. Vous voyez ici, on est un début de... Alors c'est tout début ça, on est bien d'accord, il n'y a pas, attention, encore pas de quoi farter les skis évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe, et souvent, eh ben, première neige, elle tient comme ça, puis après ça peut s'accumuler. Alors, bien d'accord que l'épisode ne sera pas de grande durée, on aura cette nuit quelques averses donnant quelques centimètres de neige, le matin on essaiera de voir justement comment ça va se passer ici en montagne, mais pour l'instant, eh bien, c'est en direct la chute de neige qui commence à légèrement poudrer le sol au col des ânes, le Grand Bornand, les Aravis. Alors que le paysage est toujours aussi bouché, voire même de plus en plus, on regarde bien, juste en face ici, ces beaux chalets qui ont vécu évidemment déjà plusieurs siècles, qui ont vécu sous les affres du temps, du beau et du mauvais temps, mais qui sont heureux et fiers d'être posés sur ce versant
et de dire résistons, résistons. C'est ça aussi la formule qu'on peut dire aujourd'hui, résistons à tout ce qu'on peut craindre évidemment et soyons plus forts que les éléments. C'est un peu ça au fond l'image derrière cette neige qui tombe. Un peu de poésie si j'ose dire. Voilà, on va se promener par là-bas, voir si effectivement ça tient, le col des ânes. Si vous connaissez, ben, bon, il faut rappeler que l'été c'est quand même très fréquenté quand il fait beau évidemment. Et qu'on y vend des bons fromages ici. Vous voyez, cette région, que la neige tient légèrement sur les escaliers que je vais emprunter à l'instant même. Regardez, hop là, ça commence à s'accumuler légèrement, vous voyez. Tout ça est en direct, hein. On a un peu attendu l'averse avant de dégainer le direct parce qu'on savait qu'elle allait venir. Parce qu'au fond, c'est un peu ça, on aime bien tout simplement vous montrer les éléments tels qu'ils sont, un peu plus haut. Et voilà, donc là on est juste un petit peu à l'abri pour tout vous dire. Et voilà, je fais silence pour vous montrer, en panotant légèrement, le temps qu'il fait ici. Alors on y mange quand chez Frédéric Diodil a la raison, c'est fermé dans l'été, et dans l'hiver d'ailleurs. Et c'est ouvert un peu plus bas, la famille Périllière qu'on retrouve à l'auberge de la Duche, un peu plus bas. Alors ça va peut-être ouvrir un jour, on espère bien. On mange des bonnes tartes aux myrtilles. Ici la neige continue. Vous voyez, ben pour l'instant, alors il y a deux véhicules ici présents au col. Donc il y a probablement quelqu'un qui est parti aussi faire de la montagne, de la balade en montagne. Voilà, bonjour de la Belgique, nous dit-on. À la province du Hainaut. Merci de vos messages, Christian. Toujours de magnifiques reportages. Alors ben, on fait avec la montagne qu'on a, on a un décor quand même magnifique, donc on s'en satisfait fortement. Et puis quand on a des éléments, comme à l'instant même, un peu plus de 17h07 pour être précis, la neige nous rejoint, c'est un bonheur, et elle commence à blanchir légèrement, vous voyez. Eh ben oui, regardez, on n'est pas encore en situation de péril pour marcher, vous voyez. Vieille neige tombée du toit ici, on pivote de ce côté. On va arriver par là, voir encore d'autres bâtiments d'alpage vidés de leurs occupants. Vous voyez, c'est ça, c'est la montagne, c'est l'été, c'est vivant, c'est fort agréable à tout point de vue au niveau agricole, touristique. Et l'hiver, c'est autre chose, puisque c'est le ski. Et ici, on fait du ski l'hiver. Hein. C'est-à-dire que l'hiver, on pouvait passer ici en ski à côté des chalets, des remontées mécaniques. Bonjour de Besançon, dans le Doubs, bien couvert, vous avez raison. Voyez, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. On vous rappelle, c'est le direct de la place du village en montagne. Et pour une fois, enfin comme souvent d'ailleurs, enfin quand on peut, c'est l'averse de neige hein, qui nous a accompagnés au début du direct. Alors c'est pas, on le dit bien, c'est une averse qui va passer. Ça va pas forcément durer longtemps. Encore que maintenant, ça se prend un peu partout là. Ça commence à être un peu plus sérieux, si j'ose dire. Mais à la montagne, à 1700 mètres, faut pas se tromper. Hein. Un petit coup de frais en novembre, c'est tout à fait normal. Rien d'anormal à voir ce type de conditions météo. Température fraîchie. Hein. Alors, on imagine évidemment les conditions en plein hiver ici. Quand vous avez de la grande bise par moins 15 ou par moins 20, c'est encore autre chose. Vous voyez le bois ici, magnifiquement pillé. C'est évidemment l'été principalement à chauffer les appartements parce que l'été on peut avoir des coups de froid aussi. Même la niche du chien qui est vidée. Parce que tout le monde redescend. Hein. Vous savez que quand on descend de l'alpage, on a au mois d'octobre une vraie cérémonie, un protocole bien organisé, bien huilé. C'est celui de la descente des animaux qu'on a vu sur ces pages. Ou c'est encore celui de la descente de tout le matériel de l'été qui sert à faire le fromage l'été, fabriqué, à traire également. Alors qu'ici, eh bien. C'est une période de vide actuellement ici, donc intersaison entre l'été où il y a beaucoup de monde et l'hiver où il y a encore beaucoup de monde. Bonjour du Beaujolais, nous dit Annie, envie d'une bonne reblochonnade. Ben, quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'était effectivement des bons produits chauds de la montagne, que ce soit la fondue, la reblochonnade, ou encore d'autres belles charcuteries de la région. On était autre jour en direct, je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu sur cette page, avec une belle soirée fondue avec des amis. Qui sont nombreux, qui sont rassemblés. Et on a fêté un peu la montagne à notre façon. Et on a partagé avec vous, vous êtes nombreux à nous regarder. C'est ça la montagne, c'est aussi le partage. Et c'est aussi la nature qui repose. Et c'est aussi évidemment ce besoin de grand air, de tranquillité, de sécurité qu'on a de plus en plus besoin dans un monde tout à fait incertain et d'incertitude et d'inquiétude. Et on vous offre ces images pour vous. C'est cadeau,
C'est température bien fraîche, c'est le col des ânes. C'est la neige qui tombe, qui nous a rattrapés depuis le début du direct. Et ça commence à légèrement blanchir. Alors, on ne va pas attendre qu'il y en ait 10 cm, évidemment. D'abord, ça ne va peut-être pas faire 10 cm. Mais ça commence tout doucement à blanchir et ça tombe fortement. Vous voyez, ça commence à blanchir les pelouses. Et même les toits. Ben, vous voyez, on pensait une petite averse courte. Et bien, finalement, en montagne, c'est ça. Ça peut durer plus longtemps que prévu. Mais ça peut durer une partie de la nuit, alors qu'évidemment, on vous rappelle que la nuit va bientôt tomber. Les bronzés sont arrivés. Alors, les bronzés ne sont pas encore arrivés. C'est souvent en partant qu'ils sont bronzés, pour tout vous dire. Alors, oui, les bronzés font du ski, évidemment, qu'on a tous en tête ces images. On va repasser effectivement le film, certainement avant Noël. On s'approche hein, tout doucement hein, de l'ouverture des stations. Elles vont avoir lieu le 18 décembre, normalement, un peu avant, sur les hauts des sommets. Et puis, la Coupe du monde de biathlon, tiens, au Grand Bornand, qui aura lieu vers le 15-19 décembre. On a vu les préparatifs déjà, vous voyez, ça se prépare parce qu'il y a des champions aussi. On pense à la petite Tessa Burley, enfin la grande Tessa Burley, pardon, excusez-moi. Tessa qui a signé avec le groupe Escoffier. On salue au passage Escoffier, c'est un industriel du pays qui soutient le ski parce qu'ici en montagne on s'entraide. Et c'est avec ces images-là qu'on a envie justement de passer la nuit pratiquement ici. On vous rappelle, nous sommes en direct à 17h12 dans la montagne. Et vous étiez l'année dernière, coucou de Bourgogne, nous dit Claudette. Et la neige continue de tomber. Et de blanchir légèrement, de poudrer, comme on dit, les alpages. Oh là là, que c'est beau. On a presque envie d'y rester la nuit ici. Hein. On va vérifier tout ça sur les toits. Vous voyez, bah regardez, hop, ça tient. Ça commence à tenir tout doucement. Même là, ça tient aussi. Vous voyez, pop, pop, pop. Alors. Allez, je vous fais un petit cœur pour vous. Regardez-moi ça, hop, dans la neige. Et puis ça continue de tomber. Ça continue de tomber toujours. Et ça se bouge de plus en plus. Regardez, j'avais commencé le direct, si vous l'avez vu. Avec ces tavaillons de bois qui étaient, et vous le savez, déneigés. Et là, ça continue. Ça continue. C'est joli comme tout. La nuit tombe bientôt. La neige commence à recouvrir les sols et les toits. Et elle s'intensifie. La pile de bois est bien sèche. Et là, depuis là, oui, Pierre a bien raison. Cette pile de bois que j'ai montée tout à l'heure, elle est extrêmement sèche et je crois l'avoir vue depuis plusieurs années. Donc elle est plus ici à titre de décoration que d'utilisation, me semble-t-il. Les gens du pays me confirmeront si je dis une bêtise. Mais pour l'instant, c'est chute de neige. Et ça s'intensifie. On va s'approcher ici un peu du versant, là où vient la neige. Là, on est dans la tempête, là, puisqu'il y a le vent qui nous fouette le visage. Avec l'alpage qui blanchit, et bien sûr, juste en bas de la route. Alors, bon, on est équipé évidemment de pneus neige avec un modèle 4x4 en plus. Donc il n'y a pas de souci particulier. Sur le toit, ben voilà. Et bien voilà, c'est cadeau, en direct, si vous êtes chez vous au chaud, et si vous aimez la neige et la montagne, et bien c'est pour vous. Le col des ânes, le Grand Bornand, 1720 mètres d'altitude, donc aussi une information pour celles et ceux qui sont en montagne, sachez-le qu'en direct, il neige au-dessus au moins de 1600 mètres, puisqu'il neige ici à 1700 mètres. C'est une belle chute de neige, vous voyez, ben on n'a pas prévu ça. On avait pensé nous dégainer le direct sur une averse de Grésil, et finalement, on a eu une belle chute de neige qui tombe ici, à l'instant même, en fin de journée. Avec cette lumière qui baisse entre chien et loup, et cette ambiance unique, nous sommes un peu seuls dans la montagne, et à en profiter de façon un peu poétique, mais c'est tellement beau et tellement sympathique. Regardez-moi ça. Regardez là-bas, le fameux chalet ici, restaurant chez Frédéric. On a fait une émission il y a quelques années là-bas, je me rappelle d'avoir dégusté les fameux starter myrtilles, c'est vraiment extraordinaire. Et regardez, et on commence presque à blanchir, vous voyez, nous-mêmes, enfin nous, on blanchit parce qu'on se rafraîchit, mais on blanchit aussi parce que finalement, la neige commence à tenir. C'était un peu imprévu, cette chute de neige ici, dans la montagne. On ne pensait pas avoir, avec une intensité aussi forte, mais ça n'a pas duré fondamentalement toute la nuit, mais en tout cas, ça met un petit coup de pinceau, et ça vous invite éventuellement à penser ski pour cet hiver, et à commencer à réserver éventuellement si vous le souhaitez. Vous voyez, les voitures commencent à blanchir effectivement ici. On va s'approcher, tiens là-bas, alors on va promener parce qu'après tout on a le droit. Donc on a vu qu'il y avait aussi quelqu'un qui était à notre côté ici. Hein. Ce sont des gens qui sont allés promener, comme vous d'ailleurs dans la montagne, et qui apprécient aussi, j'imagine, ces conditions météo un peu exclusives. Hein. Parce qu'il faut dire que. Regardez, ici, c'est pas beau ça. Et. Donc ça c'est un peu exclusif parce que vous ne vivez pas forcément ça l'hiver, vous êtes en train de faire du ski, c'est le cas. Ici c'est la première neige qui tombe vraiment, enfin une des premières neiges. Et ça tombe, vous voyez, ça commence à blancher légèrement. Voilà, ici un petit appentis qui permet de se mettre à l'abri et de voir le contre-champ. Le contre-champ, c'est ça. Et pas beau là.
bruit. Tout est calme. Tout est beau. Le col des ânes en direct, 17h16, si vous nous regardez un peu plus tard, si vous avez pris cette publication un peu plus tard. Et ça continue de tomber. Alors c'est pas non plus, je dis bien, très gros chute de neige, mais ça commence un petit peu à blanchir le sol, on voit ici. Et puis ça commence à blanchir les alpages là-bas. Voilà. C'est joli, hein. Donc c'est au Grand Bornand, on nous demande où c'est exactement. Nous sommes sur un col qui n'en est pas vraiment un, puisque la route s'arrête ici. Mais c'est un bon point de départ pour monter à la pointe percée, si vous connaissez, le plus haut sommet de la chaîne des Arabies. Et puis c'est aussi un endroit où on a de beaux panoramas. C'est aussi un endroit où il y a des bons restaurants, il y a des bons fromages qui sont vendus. On va saluer nos amis alpagistes ici. Et puis on reviendra bien sûr. Alors on reviendra, c'est pas sûr, parce qu'après, une fois que la route est bloquée, on ne vient plus ici, hein, sauf à venir en raquette ou en ski. Allez, comme c'est beau là. Pas un bruit, nous sommes tout seuls ici actuellement. Col des ânes, vous voyez, c'est le début, début du direct. Vous avez pu voir que il n'y avait pas de neige au sol, de neige fraîche, j'entends bien un peu de neige qui reste ici un petit peu. Voilà, ben, c'est ça la montagne, c'est qu'on se met à l'abri dans ces belles bâtisses ici. On imagine des bons chalets, des beaux chalets l'hiver, bien chauffés, avec cette lumière un peu feutrée. Vous savez ce que ça fait, hein, ça fait des bonnes soirées, des bons moments de la montagne, c'est ça, pour ça que la montagne l'aime bien. Puis l'été, on n'oublie pas que c'est aussi du soleil, c'est beaucoup de lumière, c'est beaucoup de bonnes herbes, beaucoup de bonnes pâtures. Joli là. Ah, ça tombe pas mal pour l'instant. Hein. Bah écoutez, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ça continue de tomber ici, au col des ânes au Grand Bornand, dans la montagne. Et on n'oubliera pas que ce soir, on va avoir le calme. Il y a des messages que je regarde ici. Ouais, sympa ici. Et puis c'est vrai que ce soir, on aura à 19h, Johan Guillermin, cette même page en direct, nous montrera encore des morceaux choisis de la place du village. Et puis à 19h55, Johan nous fait un point météo. Ah, il nous fera un point météo, vous allez voir. Il va nous dire ce qu'il va faire comme temps ce week-end. Demain, on dit bien, un peu de neige en montagne, quelques centimètres ici où nous sommes. Et puis après, à nouveau un temps plus frais, mais plus sec la semaine prochaine. Et puis, a priori, il n'y aura pas de neige avant, allez, on vous le dit tout de suite, il n'y aura pas de neige avant moins une semaine, en dehors de celle qui tombe à l'instant même. Donc, ça veut dire que on va attendre pour faire de nouveaux directs dans la montagne, vous voyez. Là, voilà. Là-bas en bas, si vous regardez bien, vous avez à nouveau des petits chalets d'alpage qui sont un peu plus bas. Et ceux-ci sont sous la neige également. Ils ont blanchi dans le temps qu'on a fait le direct. Ça ressemble au Québec, nous dit Luc. Eh bien, bien sûr. Attention aux loups affamés. Alors, les loups sont pas loin, effectivement. Il y en a quelques-uns ici. C'est au Grand Bornand. Merci Stéphane de répondre. Et il y en a quelques-uns. Et on sait même qu'ils sont assez nombreux, d'ailleurs, ces loups, en cette fin d'automne. Voilà. Mais bon, pour les hommes, il n'y a pas de risque. Évidemment, et on sait que ça peut effectivement attaquer, comme ça a été le cas dans l'été, les troupeaux, ou encore le cheptel à l'automne. Vous voyez, ah, je sens déjà le bon feu de bois qui crépite. Ben oui, alors pour l'instant, il ne crépite pas à l'intérieur, pas à des chalets ici, il n'y a personne, mais chez vous peut-être, avez-vous mis le chauffage, j'imagine que oui, est-ce que c'est du feu de bois, est-ce que c'est un poêle à granule, est-ce que c'est du chauffage au fioul, dans le primonte, ou est-ce que c'est autre chose, électrique peut-être, vous voyez. Allez, je laisse le silence, c'est tellement beau. Voilà, et bien écoutez, c'était le direct du soir, le point météo en montagne, comme j'ai titré, avec cette neige qui est arrivée, qui a donné quoi ? Oh, à peine un centimètre, mais qui a suffisamment blanchi pour donner une parure différente au paysage, et c'est ce qu'on voulait vous montrer. On est arrivé au bon moment, on peut dire qu'on a eu un peu de pif, mais c'est comme ça que ça se passe en montagne, il faut être présent et puis attendre et voir les saisons se dérouler. Le ciel commence à se noircir un peu, puisqu'il fait de plus en plus sombre, hein, et que la nuit va tomber bientôt, et qu'ici il va faire un peu frais cette nuit. Belle soirée à vous toutes et à vous tous, merci de nous avoir suivis, belle soirée au chaud évidemment. Bonsoir, situation depuis Féchy, il fait 6 degrés à 500 mètres, ben, si vous faites le calcul, 6 degrés à 500 mètres doit à peu près faire, allez hop, ici où nous sommes à 1 ou 2 degrés maximum, hein. Voilà.
Et on ira boire un bon vin, Stéphane, du côté du Mâconnais. Eh bien sûr, on va pas se refuser ça. Il fait pas très chaud ici, hein. On peut dire qu'il fait, il fait 1 ou 2 degrés. Ça tend, l'averse prend fin. Eh bien écoutez, nous aussi on prend fin, on va vous saluer. Passez une belle soirée, c'est ces images que je vous laisse. 19h, Yoann Guillermin, 19h55, juste avant 20h. Le point météo, d'autres publications. Merci encore à ces et ceux qui nous soutiennent par l'envoi d'étoiles éventuellement, c'est super sympa. Et puis on se retrouve très vite avec d'autres publications sur cette page qui n'a que vocation de montrer les beautés de la nature, de la campagne et de la montagne. Arrivez pas, merci, belle soirée. Au revoir. On va rentrer au chaud maintenant, tiens.